Voilà, ça y est, tout est bon. Ma manette marche. Waouh, elle est grosse la manette. Dans la lutte sempiternelle du bien contre le mal, le héros ne se résume pas à ses simples exploits personnels. Tout comme les plantes ont des racines cachées, où les rochers dévoilent leur ventre noir et plein de surprises quand on les retourne, la grande histoire de Jack et de ses combats épiques pour sauver Abbeville recèle des secrets aussi impénétrables que dissimulés. Toutes les mères connaissent bien cette histoire. Hey, I can put pause. Yes, I do know the game. It's not the first time because I already play it on my PSP, but it's been a long, long time since I do that game. So yep, it's been a while. So it might feels like it's brand new to me, but I already do the game. But yeah, that's some years ago. And sorry, the game is in French. La plupart n'en connaît que la moitié. Aussi grand soit-il, Jack n'aurait jamais pu réussir sans son partenaire, fidèle, mais si souvent oublié, Daxter. Cela fait très longtemps que je suis un sage, et quand je dis longtemps, je veux dire très très longtemps. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que derrière chaque héros, il y a toujours une espèce d'andouille bavarde et rigolarde. Voici son histoire. Je ne peux plus continuer. C'est trop dangereux. Mais attends! Ne t'en va pas! Laissez tomber! Vous avez qu'à vous trouver un autre gogo! Laissez le rat, c'est lui que le baron veut. T'en fais pas, Jack, je vais venir te sauver. Alors je sais que c'est fort, mais 2 minutes les gens, je baisserai le son après. I know this is loud, I'm gonna do this after all. Mais où a filé quoi? Ce machin orange, ou je sais pas quoi, il va m'entendre. Ouais, il est beau pour de la PSP. J'étais là, face à face, avec 55 des plus horribles à leur cœur que vous ayez jamais vu. Tout à coup, ils viennent vers moi par la gauche. Je bouge vers la droite. On a envoyé un coup de poing par-ci et un coup de pied par-là. Et... ah, attendez, revenez. J'ai pas fini. Après être tombé pour tromper leur cœur, j'ai ensuite... Oh. Tu peux parler plus fort? Mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Raconte-nous celle où tu as réussi à assommer ces idiots de garde d'un seul coup. J'ai fait ça? Ah ouais! Ces gardes n'avaient aucune chance contre le bon vieux Crochet! Oui, ravi de te rencontrer aussi. Je suis Osmo, propriétaire et responsable des pulvérisateurs de la société d'extermination des parasites. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, jeune homme. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a ton ingéniosité. J'aime beaucoup les poils et la barbe, comment elle est faite, les effets, je trouve ça très joli. Sens de l'adaptation. Ton courage devant une mort inéluctable. Quoi? Hors de ma vie, vieillard. Tu m'as eu au début, mais là, tu pousses le bouchon. En bref, accepterais-tu de travailler pour moi? Je te récompenserai pour ça. Y'a pas moyen. J'y connais rien en extermination et je hais les petites bêtes. Mais... avec un petit effort... Hein? Quoi? Tu es d'accord? Merveilleux! Rendez-vous demain au magasin. Et bienvenue. Bienvenue à bord.
No problem, I know all the phrases and dialogues. Oh, that's cool then. Option son, volume, effet sonore. J'espère que c'est mieux. Oui, mine de rien, il y avait pas mal de choses cool sur PSP. Oh yeah, that's right, I can fast forward the game. I didn't know that. That's perfect. Yeah. Ah, c'est parfait. Wow. Okay, so this is for saving, I guess. Continuer, paramètres. Ah, that's the first time I use a PSP emulator, so don't worry if I kind of freak out. Donc c'est la première fois que j'utilise un émulateur PSP, hein, donc vous étonnez pas si je m'émerveille, je suis là en mode oh mon dieu. Ça oui, je préfère l'activer quand même. Après, je sais pas à quoi ça correspond tout ça, mais bon, je vais pas trop toucher. Activer le son volume global, je vais peut-être baisser ça un peu. Si vous voyez des choses à changer, n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Alors, par défaut, donc je suis sur le truc 360, donc oh, ça a l'air bon. Voilà, croix touc, carré touc. C'est bien ça, on peut assigner plusieurs touches, c'est très très bien ça, c'est très très cool. Start, pouf, select. Oups, annulé. Start, pouf, select, pouf. L, touc, R, touc. Au stick. Ah bah oui, d'accord, au stick. Ah oui. Ah oui. Oh. Du coup, je vais enlever les sticks. Tir rapide. Ça est L. L, R. Ok, vitesse max. Donc ça, c'est vitesse max. Pause machin, c'est quoi? C'est trigger L. Ah oui, donc ça c'est là où je suis. Trigger R, c'est vitesse max, très bien. Rembobiner, backspace. Ou rembobiner, ça c'est bien, je vais mettre sur space. Sauvegarde de l'état F1. Charger l'état F2. Voilà, sauvegarde le truc. Au stick D, donc j'imagine qu'on va mettre ça là. Pourquoi est-ce qu'il marque rotation par contre? C'est normal? Ouais, ça doit être normal. Très bien! Très bien! Très bien! Oups! Ah! Ça a annulé tout le jeu! Merde! Oh, c'est nul! Allez! Est-ce que j'ai une sauvegarde? Oui! Ça va! Tout va bien! Alors, t'avais essayé Crisis Core et Type 0 sur PSP. D'accord. Moi j'avais bien aimé Crisis Core. Crisis Core il est pas mal quand même. Type 0, jamais essayé. Tout pareil. T'as rien touché. Très bien. Assure-toi d'avoir des stickers rigides. Des sticks rigides car les moustiques sont chiants. Chacun le sait tout à fait. Carte 7, des fois les plus dures peuvent être les plus difficiles à utiliser. Alors, Dax peut ramper. Il peut sauter. Il peut accélérer le jeu. Je peux aller dans le menu, donc je vais essayer de pas le faire. Ok. Donc allons voir notre copain. Est-ce qu'au niveau du son ça va? Est-ce que vous voulez peut-être un petit peu plus fort? Comme j'ai baissé le son dans l'émulateur aussi, je vais peut-être... Ah bah c'est bon en fait, ça s'est remis par défaut du coup. Commande, ça c'est bon. Option du jeu, activer. Oups.
Donc est-ce que ça va ou est-ce que je mets le son les plus fort? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Attention, que tout ce qui a plus de deux pattes se mette à trembler, car le Dexterminator est dans la place. C'est ça l'esprit. Tu es prêt pour ton premier test? Donnez-moi un pulvérisateur, papy, et puis ensuite un deuxième. Je vais arroser toutes les bestioles qui croisent mon chemin. Non, non, non. Tu dois d'abord apprendre les bases. De mon temps, on chassait les insectes avec de la classe et du style. Une très bien pour le son. Une plus élégante pour une époque plus civilisée. Bon, ta première mission. Je veux que tu ailles débarrasser l'hôtel du coin de tous ces insectes. Allez, au boulot. So, yeah, I do like this game a lot. Oops. Wow. This game is very cool. It's been a while since I last played it, and I'm gonna play this. And after I'm gonna do Jack 3, because I just finished Jack 2. And like I was saying, I choose to do Jackster after Jack 2 in order to let everyone be used to Jack and Daxter universe, as well for the new environment of Dax. Alors, je crois qu'il y a des trucs à trouver ici quand même, il y a pas mal de trucs à droite à gauche, je sais plus trop. Alors, est-ce que ça va? C'est pas trop bas là le son du jeu, ça va? Vous n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je peux tout à fait changer ça. Ah oui, c'est vrai, la caméra c'est avec L et R. Yahoo! No. On viendra ici plus tard. Tu veux la même tapette à mouche? Moi aussi. Elle est trop classe. So yeah, this weapon is way too cool. Si tu veux, tu peux monter un soupçon. Donc dans ce cas, je pense que je vais faire une sauve. Enfin, je vais remonter en fait le son ici et baisser le son dans le jeu en fait. Voilà, je pense que là ça devrait aller. Oui, la cinématique de départ était très très forte, j'avais pas pu faire de configuration. Là j'ai remis le son de l'émulateur à fond et ce sera le son du jeu que je changerai au fur et à mesure. Donc du coup là je baisse dans le jeu directement, ce sera plus simple. Oh, Daxter, j'ai failli oublier de te parler de l'appareil pour communiquer. C'est grâce à ça que nous resterons en contact quand tu seras en dehors du magasin. Voilà, est-ce que le son ça va? S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'on n'a jamais assez de ces orbes des précurseurs. Oh, je peux pas aller derrière. Vous avez vu comment il est trop mignon, Dax, avec avec sa petite ceinture et tout et tout. So he's way too cute. I love Daxter. Even if sometimes he's kinda jerk, he's cool. Une trousse de secours! Je parie que tu l'aurais jamais trouvée, celle-là! Daxter, cette gemme d'or provient de tous ces nouveaux et horribles insectes. Ramassant autant que tu peux, c'est comme ça que je me paye. Une bonne tranche de rire. Voici l'hôtel, Daxter. Entre et parle au concierge. Et souviens-toi, ton travail consiste à exterminer des insectes. Eh oui, attention. Waouh ! Vise un peu cet endroit ! Alors, just let me... I need to check something real quick. Mm-mm-mm.
Il n'y a pas un site, j'ai du mal à trouver un site qui donnerait l'emplacement de tous les orbes dans Daxter. C'est un peu chiant, peut-être là-dessus. Waouh, ça fait mal ça aux yeux. Mais qui a l'idée d'écrire en bleu sur un fond noir, sérieusement? Oh là là. Les effets sonores ne sont-ils pas un peu forts? Ah, ça je sais pas, je pourrais rebaisser encore un peu si tu veux après. Bon, alors ça va être chiant parce que c'est beaucoup trop de texte. Bon, bah je trouve pas de truc ou juste avoir une liste comme j'avais pour Jack 2 avec juste les orbes et les trucs à trouver, donc tant pis. Alors je vais rebaisser un peu le si tu dis que c'était un peu fort. Voilà. Donc hop là pour orienter la caméra, pouf. Voilà. Pouf. Alors, ici on est à 50 et 39. Très bien. Ah, t'as trouvé un truc? Nice. Waouh, il y a trop de trucs. Alors, ce que je pense faire, c'est que je pense que je vais faire le jeu normalement et après, en fait, je chercherai tout parce que c'est beaucoup de lecture. So, I think I'm just gonna do the game quite normally. And after that, when I'll be done with the game, maybe I'm gonna try to look for all the orbs and all the hidden things. But like I don't want to read everything and put the game in pause every 2 seconds, so I think I'm just gonna do that. Donc voilà, je pense que je vais juste en fait ouais chercher, enfin tout prendre une fois que j'aurai fini le jeu parce que sinon je vais mettre tout en pause à chaque fois. Donc ce sera un peu chiant. Alors c'est pas vraiment une suite, c'est sorti après Jack 2, peut-être après Jack 3, je me souviens plus. Je sais plus exactement quand est sorti cet épisode, mais ça se passe entre Jack 1 et Jack 2 en fait. Ça raconte ben, ce que Daxter a fait pendant tout le temps où Jack n'était pas là. Vous avez vu comme il est beau? Vous avez vu comme il est beau? Donc je peux sauter, frapper, ramper, regarder autour de moi. Donc je vais explorer un peu. Tu pues du cul ici. Tu peux faire caca moins puant. Tu pues le chat. Je sais que c'est pas ta faute, mais quand même. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à trouver au final. Je me rappelais plus de certains trucs et quand j'ai vu les solus, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a tout ça à faire! Donc je pense qu'on va simplement faire le jeu normalement et on reviendra plus tard faire des recherches. Parce que toi, ça sent la rose. Tout à fait! Tout à fait! Ça sent la rose. Oups. J'oubliais. Faut pas que j'appuie sur les gâchettes. Par contre, je peux faire ça. Ouais! Ah! Ouais! J'adore pouvoir accélérer le jeu, c'est trop bien. Ça va être beaucoup moins chiant du coup, les explorations. Jack 3 est sorti en 2004, Daxter en 2006. D'accord, donc il est sorti même après Jack 3. Très bien. C'est donc vous, l'exterminateur. Monsieur Crew, notre meilleur client, va être ravi de vous voir ici. Crow. Mais je n'aime guère votre apparence. Les insectes qu'il y a là-haut ont mangé vivant le dernier exterminateur. J'aimerais vous faire monter par l'ascenseur, mais malheureusement j'ai perdu la clé. Voulez-vous bien essayer de la trouver? Connard. Ouais, il est sorti tard, Daxter. Plus tard que ce que je pensais en fait. Ah, mais putain, je me trompe à chaque fois, je veux appuyer sur les boutons. Oh là là, la clé elle est perdue. Yeah, you lost the key. Oh! Merci. Maintenant, rapportez-moi un bon paquet de ces gemmes d'insectes en or, et je dirai à Osmo que vous vous êtes mieux débrouillé que le dernier type qu'il a envoyé.
so hard to find the key. Des skull gems, ouais ouais je sais, c'est des gemmes crâniennes. Mais moi j'aime bien dire les gemmes de Metalheads, des gemmes de gemmes quoi tout simplement. Les Crash HD sont faits par un sous-studio d'Activision, ils ont fait du beau boulot sur Call of, t'espère qu'ils vont pas trop toucher à Crash. On verra bien, on verra bien. Be careful with those flowers. Oh yeah, there's some flower that... Oh yeah, that's right, later on there's some flower that can eat you. If I'm correct. So yeah, it's been a while since I last played this game, but I really love it. Yay, yay, yay! And I have to get used to the emulator. Because it's my first time playing on an emulator of PSP. J'ai bien peur d'avoir oublié de nourrir les plantes. J'ai passé discrètement. Oups, bah moi je l'ai tué. Faut juste qu'il fasse les mêmes checkpoints que dans le 2 et le 3 pour le 1. Un qui casse les caisses et qui sauvegarde les caisses prises. Ouais, ça ce serait vraiment le mieux. Parce que ça c'est vrai que c'était relou pour Crash 1. Ah! I fell down. Come here. Yay! Yeah, I have to get used to the camera because it's not on joystick. It's on the L and R buttons, but I don't want to change this because it might be useful for some other games. So I'm just gonna get those setups. Alors vous allez voir, il y a plein de trucs cool avec Daxter. Il y a plein de trucs qui vont être bien, genre les rêves, les masques. Ça va être un peu rigolo. Ça peut être utile d'être une belle outre. Ça va être assez rigolo, vous allez voir. Scrabouiller le métal insecte. So yeah, I'm just saying that there's plenty of cool stuff in Daxter, like the dreams, the masks and all. So yeah, this is gonna be fun. It's been I really wanted to play this game once more. Yay! Ouch! Après, je pourrais y jouer directement sur ma console parce que j'ai le jeu et j'ai la PSP, mais je sais pas, je saurais pas comment faire pour brancher tout ça dessus, donc. Yeah, there's also the bug fights. I never really do the bug fights. I just try one once, but Hey, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, tu vas faire des bêtises. Marche pas sur le clavier, merci. Hein? Va pas faire une sauvegarde ou charger une partie. Hein? I'm just talking to my cat, don't worry. So... Up. Can he swim? No, he can't.
Je voulais voir s'il pouvait nager, mais non, il ne peut pas nager. Très bien. Vous allez me dire, ça semble logique, sinon pourquoi est-ce qu'il y aurait ces nénuphars? Allez savoir quand même pourquoi est-ce qu'il y a des putains de bassins, de cascades et oups, et tout ce genre de tout ce genre de conneries dans un hôtel. Heureux Sergio. J'aime bien comment ils sont tous écrasés. Ah! Je me souviens que j'avais réussi à débloquer un certain nombre de rêves sur ma partie. Mais je sais plus si j'avais eu tous les rêves. I remember that I used to get most of the dreams. I don't remember if I had the last dream. But I still managed to get some of them in my PSP version of the game. Vous croyez que ça passe? Nee! Encore un héros qui n'aime pas l'aube. En même temps, pour un petit animal, ça se tient. Hein, on peut se dire que ça se tient. Je sais plus comment faire pour le prendre celui-là. C'est un hôtel de luxe, il faut un jardin intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Je vais faire une sauvegarde. Et t'as chargé. Ah mais il veut pas faire un double saut. Ah. Allez. Yeah. Oh. C'est chiant, tu dois brancher ta PSP sur PC, utiliser des programmes. Ta-la-la-la. Ouais non, l'émulation ça marche, c'est beaucoup plus facile. Bon, on reviendra plus tard. I'll come back later to this one, maybe. Ah. Vous allez voir, le jeu, il est vraiment cool. Alors, astuce, non, il n'y a rien de manière bonus. Il commence tard les bonus. Secret, secret, connexion à Jack X, non. I should have saved before and going into this, because I knew I would have missed some orbs. Ah, je savais que j'allais rater des orbes. J'aurais dû sauvegarder avant. Voilà, comme ça. Voilà.
Belle. Pour les scientifiques qui ont fait le premier jeu vidéo sur un oscilloscope. Eh ben dis donc, ouais, effectivement. Y'a rien derrière. Non, c'est bon. Let's go! Par exemple, là, c'est quand même rigolo parce que du coup, vous savez. J'ai oublié de vous donner les clés des chambres. Eh bien, vous trouverez bien un moyen d'entrer. Je disais donc, c'est rigolo parce que là, au moins, vous savez qui est Crew, comme il en a parlé tout à l'heure. Par contre, je veux pas dire, mais l'hôtel, voilà quoi, il tombe un peu en ruine. Hein, genre le canapé qui est dégueu, les portes qui manquent des bouts, franchement. So yeah, this hotel is not that classy and fancy and all, cause there's a hole in doors, there's things that are broken. So yeah, I don't think I would love to stay in here. Break everything. C'est un hôtel de luxe, ils ont peut-être des goûts bizarres, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux un lit trampoline comme ça, moi aussi. Maintenant qu'il y a de la musique et tout, ça va là le son, c'est pas trop fort. Tout va bien au niveau du son, très bien, nickel. Ça peut être embêtant à certains moments aussi, un lit comme ça. Ouf. Après tout, il existe bien une chaîne de restaurants où le principe... Oui, j'ai vu ça, je trouve ça complètement débile. Le principe de se faire engueuler, maltraiter par les serveurs, je trouve ça trop bizarre. Mais bon, chacun ses fétiches, hein, j'ai envie de dire. Chacun son kiff. Oui, oui, ça existe vraiment. Alors, par là, on a des trucs. This hotel would still be so spooky if there weren't these bugs and destruction. Yep, I agreed. Those are some weird... This is a weird hotel. Oui, ça, les trucs où tu manges en aveugle, ça c'est rigolo. Les blind dinners, ou je sais plus ce que c'est. Ah, regardez-moi ça. Vous le reconnaissez celui-là? On dirait un peu Crew. C'est peut-être même complètement lui, hein. He just looks like Crew. It might be him though. And that music. Yep, this music is really cool. Kinda scary sometimes, but really cool. Hop. Ah.
Mais donc oui, surprise, hein, Jack éliminait les Metalheads bien avant... Daxter, je veux dire. Éliminait les Metalheads bien avant Jack. Wow, what happened? I think in this mission the music is the most scary. Yep, it's scary, but it really fits. And I do love the ambience of this place, then the music and all. It's really on point. Boing, boing. Yes, Chris, I do have played this game before, but it's been a long time ago. I play it when it came out. I think I tried one time to play it again, but I didn't finish it when I launched the game again. So it might feel like it's brand new to me, but I've been doing this game before. Très bien, donc je crois qu'on a ramassé tout ce qui était au sol. Y a rien l'air d'avoir d'autre. I think I got everything. I hope so. Jack en tue pas des comme ça aussi. Il en tue des tout petits. Il en tue des tout petits. It fits, of course. C'est bien, je savais que ça pouvait rendre malade. I guess you know the part where Daxter dreams. His dream was funny. Yep, his dreams are really cool. Like I said earlier, I remember that I do lots of dreams with Daxter when I first played the game, but I don't remember if I did them all. On dirait bien une sortie express pour le Daxterminator! Whoops! Wow! I didn't know that when you hit the stick, you got everything on the fast forwarding. I didn't know that. I was surprised. Alors. I was surprised when I saw the beginning. Oops, it's like the beginning of Jack 2. Yep, I love the music from the mission in the train system, construct site, the Baron's Palace, and the prison. Yep, those are nice. When I found Jack, I followed the guards. I thought I was going to save Jack. Oh. Wait, how did you do that? I just pressed the stick, the second stick. I'm on a Xbox 360 controller, and I just pressed the camera stick, and it just fast forward the game. Hmm.
Oups. Alors, parce que je faisais un truc, les gens. Hop, je range tout ça, voilà. C'est bon, on est reparti. Do it again. No, not while I'm doing the this, because I kinda wanna try to get the orbs. But I definitely gonna do this again, but it would have been way too hard to get everything for this part. But I think I might fast forward the game from time to time to get on some very long moments of the game. I don't remember if there's any, but we never know. Donc ouais, non, je ferai pas la descente en accéléré. Hein. Je suis pas si foufolle dans ma tête que ça, surtout quand j'essaye de ramasser tous les orbes. En fait, je voulais voir si je pouvais avoir une espèce de rappel de stats, un peu comme sur Jack 2 justement, où quand t'appuies sur le stick, tu vois tes infos. Mais en fait, là, du coup, bah non, ça ne marche pas. Alors, 36, 50, 37, 39. Très bien. Je pense qu'on a tout. Il m'en manque deux, c'est frustrant quand même. Il m'en manque deux. Bravo. Vous avez dépassé mes espérances. Le paiement sera effectué en totalité et je vais appeler votre patron immédiatement. I'm sad. I missed two bugs. Yahoo! Yay! I hope you will like the music from the next mission. Yep, the music are all awesome in this game. En tout cas, j'espère que vous appréciez le jeu jusqu'à présent, parce qu'il est vraiment très très cool ce jeu. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Daxter, j'ai entendu dire que tu avais tout explosé. Ouais, j'ai tout explosé. Maintenant, je veux que tu ailles nettoyer un chantier. Ces insectes n'attendent même pas que ce bâtiment soit terminé. Yay! Oh. Yay! I hope you like the fast-forward music. Elle est cool, hein, la musique en version accélérée. C'est génial. Oh. Thème Daxter, donc ça part bien de base. Ouais, t'essaieras de choper la ROM. Bah elle est sur ROM Station, hein, je l'ai pris tout simplement là. C'est très 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 cool, ça marche bien. The music is weird. Yep, because it's all fast and all. So yep. What other games have you played on PSP? I played Crisis Core. I played what else do I have? I don't remember. I played some Final Fantasy, I played some Tales of something, I don't remember the name of the Tales that is on the PSP. What games do I have? I played No Katamari, it's on Vita. I'll try to check and I'll tell you tonight, if you're there, what games I do have played on my PSP. That's hard to go, to move around. C'est dur de bouger quand ça accélère. Mais c'est rigolo. Ils te font plaisir quand ils ont ajouté la PSP sur Home Station. Ouais, tu m'étonnes, il y a quand même pas mal de jeux assez cool hein, dessus. Donc là j'explore un peu. Hein. I'm just looking around to see if there's anything to get.
I don't remember how to dream. Maybe I have to wait until Dax is telling me to. Maybe. Could you just tell me if it's that or not? Try to not to spoil the people in the chat, because there's many people that never played the game before. I want the music from Heaven City, like in Jack 2. Yeah, that's too bad that this is not the same music. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas la même musique hein, pour Abbeville que dans Jack 2. Peut-être qu'ils ont eu un problème de droit, je ne sais pas. Maybe it's a copyright issue, that's why they could not get the same music. I'm sure I might get this one. Yay! I did it! Yay! Collect the enough number of eggs. Okay! Thank you. Heaven, sorry. Oh, Heaven, okay. It's Heaven City. I didn't know the English name. Let's go! Bien, continuons les gens! Daxter est assez lent dans ses mouvements, donc ça va être pratique d'utiliser le truc pour aller vite. So yeah, Dax is kind of slow when he's walking, so this is gonna be really helpful to fast forward the game. Like that, and that, except that I'm just gonna go, oops, into the walls every time. 40-25, très bien. Bah oui, oui, je sais, c'est normal qu'il soit lent puisqu'il est petit, mais du coup, moi, c'est juste que j'ai envie d'aller vite, donc... I want the roll function. Yeah, I wanted to. I don't remember when you get this one. Next, soon, I hope. I love to sprouch the enemy, to crush the enemy, to explode the enemy. J'aime beaucoup hein, quand Dax il explose les insectes, je trouve ça trop parfait. Et donc, si vous n'avez peut-être pas remarqué, quand vous écrasez un insecte, si jamais il y en a un autre dans le coin et que vous avez un assez bon timing, vous pouvez parfaitement l'écraser tout de suite sans avoir à le frapper plusieurs fois, ce qui est très pratique. Have played Ace Combat X kind of deception. Nope, not me, but I heard it's a good game, I think. Oops. Why there is no music? Is there a way to make the music loop? That's weird. Ah! Une fiole d'insectes. Ah oui, c'est ça, c'est encore des trucs de combat d'insectes. Ah, mais j'étais coincé. I was stuck. Poser la question pourquoi tu les accrases pas à chaque fois, mais si c'est pas une action gratuite. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de. Pas de combo, mais un peu quand même, quoi. Une histoire de nombre de coups donnés.
Ah, mais... Ah, once again, I was stuck. Wow. I might just quick save in order to not do this every time. Ah, move! That was close. Wow! That was weird! Ouais, c'est passé au poil le cul. Ça, c'est pas un insecte. Tu es bien poilu pour un rampant. Alors, à quoi tu joues? Parle avant que mes canons ne mettent fin à cette conversation. Qui es-tu? Je pourrais te demander la même chose. Ben, je l'ai. Si tu veux le savoir, je suis Taryn. Laisse-moi deviner, tu es l'un de ces piètres exterminateurs qui pensent qu'il peut encore nettoyer la ville? J'ai un scoop, chérie. Ces nouveaux Metal Bugs sont trop nombreux pour toi. Alors prends ton petit jouet et rentre chez toi. J'ai aussi un scoop pour toi. T'es trop sexy quand tu t'énerves. On a affaire à un problème très sérieux ici. Tu veux aider? Voilà avec quoi les grandes filles s'occupent des insectes. Tu t'occupes de ça, moi je vais faire bouger cette grue. Tu t'en sens capable? Ok, baby, je suis de la partie. Regarde-moi bien, beauté. Hé, hey, fais attention où tu fais gicler ce truc, cow-boy. Bah en fait, moi c'était pour voir s'il n'y avait pas quelque chose derrière moi, c'est pour ça que je m'étais mis en vue à la première personne, mais ouais, c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal aussi avec les vues en première personne. Ah, the music is so cool. Nothing. So now I can do this. Sprouch, sprouch. Just a quick BRB. I need to get something to eat. I'm hungry. I'll leave you with the music. Je reviens tout de suite. Je vais me chercher à manger. J'ai envie de grignoter un petit truc, je vous laisse avec la musique, à tout de suite. So, I'm gonna play, but since I'm gonna eat as well, I'm just gonna mute myself, because I don't want you to hear some scrunch, 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 nom 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 noises, so don't worry if you're not hearing me, it's normal. Donc hein, je vais me mute pour manger, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez le topo pour pas que ça vous croustille dans les oreilles. À tout de suite. And I'm playing with one hand in order to eat. So if I'm moving kind of weirdly, it's because I'm eating. Oh, see you later, Chris. Thanks for coming by and have fun playing too. Donc, vous en faites pas. Hein. Si jamais vous me voyez bouger un peu bizarrement, c'est parce que je mange à une main. Hein? Donc, ne vous en faites pas.
position, boule de poil. Descends et nettoie-moi cette plateforme. Je viendrai te chercher quand il n'y aura plus d'insectes. Encore deux. Plein de ressources. Si tu parviens à t'en sortir, retrouve-moi au bar. Thank you.